Cher Pascal, aujourd'hui, en tant que vicaire de doyenné, tu célèbres l'Eucharistie pour la dernière fois en guérison. Pour un prêtre qui fait vœu d'obéissance à son évêque et à l'Église, cela va de soi de partir vers d'autres paroisses. Mais le prêtre est aussi un homme, avant même d'avoir été consacré, et, en tant que tel, avec plein de sentiments liés à sa nature et notamment celui de l'attachement. Cela fait 15 ans que tu es parmi nous et que tu as appris à dire de belles choses dans notre paroisse. Oui, nous avons été bouleversés. Nous sommes encore affectés et inquiets depuis la mort de ton épargne. Nous savons que pour toi, homme de cœur, tu étais très attaché à lui. Pascal, aujourd'hui, tous autour de toi et au nom de la paroisse, nous te disons merci. Nous savons combien tu es méméré et combien la population te le rendait en retour. Tu étais très apprécié par tous, aussi bien par les non-pratiquants que les présents à la messe du samedi. Tu nous quittes pour d'autres responsabilités. Nous te souhaitons un bon apostolat dans tes nouvelles paroisses, mais Framby et Colfontaine ne sont pas bien loin. Nous nous reverrons. Pascal, encore un grand merci. Regardez. Comme tu as bien à faire pas cher, tu penseras à nous, et alors la petite maison, quand elle sera vide, tu pourras mettre une bougie, bien sûr, et ça rappellera le foyer. Ah, merci. Merci. Thank you.
Oui, oui. Ben oui, je me, ben, oui, mais je voulais faire une petite chose. Je sentais qu'il y avait quelque chose qui se travaillait. C'est pas vrai. Dès que j'arrivais ici, il y a quelque chose qui sent. Je me suis bien arrêté de... Ben voilà, vous avez exprimé mes merci, pas des merci, mais moi je voulais aussi vous dire merci. Parce que quand on arrive comme prêt, je l'ai dit tantôt, mais voilà, on arrive avec ses petits souliers. Comme ça, tout le monde a mis rendez-vous. Hein. Je me rappelle la première messe que j'ai célébrée ici, à samedi soir. D'ailleurs, je ne trouvais pas l'église. Et je me rappelle que j'ai trouvé un monsieur là-bas tout au fond. Il m'a dit, oui, il faut descendre par ici, vous allez trouver l'église au bout. Je me rappelle que... Mais